les étrangers. Fac fermés aux intérêts privés. Fac fermés aux intérêts privés. Fac fermés aux intérêts privés. Je prends pas de photo. Monsieur, vous prenez pas de photo. Je prends pas de photo. Vous empêchez pas les gens. Non, tu peux pas faire ça. Jean-Louis, photo, monsieur. Est-ce qu'on peut rappeler à ces messieurs qu'ils n'ont pas le droit de nous retenir dans cette école, ni même d'intervenir dans cette école? On leur a déjà dit qu'ils sont en pleine illégalité, qu'ils n'ont aucun document, illégal, aucune preuve. Et ça dépend aussi, mais on reste des terres pour ouvrir la fac. Il va nous faire la guerre, et ça réforme aussi, mais on solidarité avec les étudiants du monde entier. Solidarité avec les étudiants du monde entier. Bienvenue en France, blanc raciste. 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 À qui vous allez? Vous n'allez pas confisquer un élément d'expression? Madame, je vous ai bien écouté maintenant, c'est bon, je vous ai bien écouté. Non, 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 non. Bonjour Madame Vidal, bienvenue à l'EHESS. Je vous interpelle au nom des étudiants mobilisés contre l'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants étrangers. Depuis des mois, nous vous interpellons pour des universités ouvertes et humanistes et vous nous ignorez. Ce sera plus difficile aujourd'hui. La loi EORE et les mesures actuelles cherchent seulement à dépenser les fonds publics pour les élites nationales, c'est-à-dire les plus riches. Il est donc indécent que vous inauguriez aujourd'hui cette plateforme internationale de recherche contre l'antisémitisme et le racisme à l'EHESS, alors que même cette hausse des frais qui frappe les étudiants étrangers est raciste. Depuis plusieurs mois, vous avez poussé le cynisme jusqu'à augmenter de 70 à presque 4000 euros les frais d'inscription en appelant ça « Bienvenue en France ». Cette mesure va obliger des dizaines de milliers d'étudiants à arrêter leurs études et à quitter la France l'année prochaine. Mais elle va aussi empêcher des centaines de milliers d'autres de venir étudier dans les prochaines années. Cette mesure n'empêchera pas les étudiants fortunés de venir étudier en France, mais elle empêchera tous les étudiants des pays moins fortunés de venir étudier, notamment ceux des pays francophones liés à la France par le passé colonial. Ce n'est pas la première mesure d'augmentation des frais d'inscription dans l'enseignement supérieur, ce ne sera pas non plus la dernière. C'est pourquoi il faut dès maintenant bloquer ce processus excluant et l'inverser de toute urgence afin d'avancer vers un enseignement supérieur ouvert à tous et à toutes. L'éducation n'est pas une marchandise mais un droit fondamental. Nous ne nous laisserons pas faire et nous continuerons à militer pour que les universités soient des lieux d'émancipation ouverts à toutes et à tous, sans distinction de classe ou de nationalité. Merci. Bienvenue en France! Bienvenue à l'EHESS! Bienvenue en France! Plan raciste! Bienvenue en France! Plan raciste! Bienvenue en France! Plan raciste! Bienvenue en France!